Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur une ouverture de colis. Donc c'est des impressions que j'ai demandé à un ami de me faire et qui m'a fait généreusement et qui m'a envoyé. Donc on commence par la première impression. Hop. Donc il s'agit d'un couvercle. Donc, qui va me servir pour ma Creality pour pouvoir laisser, vu ce qu'il m'a conseillé, de laisser la résine dedans là, pour éviter d'user trop vite le FEP, à part s'il y a une impression qui est ratée. Et donc, voilà, ça permet de couvrir et de fermer. Ça protège de la lumière, vu que mon imprimante est pas loin de la fenêtre, donc ça protège beaucoup plus. Ensuite, il m'a réalisé une deuxième impression. Donc là, le fait qu'il est vachement au niveau du sol, vous voyez là, le fait de l'avoir posé. Donc là, ça permet de le protéger, plus le FEP quand je veux changer ou bien autre mon FEP ou quand je veux nettoyer mon bac. Ça permet de protéger avec le rebord, ça évite d'abîmer le FEP. Donc là, il est un tout petit peu trop court, donc je vais le ragrandir. C'est pas bien méchant, là, il y a juste 2-3 mm. Donc je vais le rectifier pour dire qu'il soit bien à plat et bien droit. Donc voilà pour ce qui concerne au niveau de mon impression 3D, donc les deux améliorations que je rajoute sur mon imprimante. Et ensuite, je lui ai demandé de me faire une base. Donc, comme je vous ai dit, hein, cette année, j'allais me lancer dans les dioramas. Donc là, il m'a fait déjà le socle. Donc, il est composé en 4 pièces. Donc déjà, nous avons la plaque en bas qui est un peu relevée. Donc, ça fait une belle finition, hein, pour du PLA, franchement. Vraiment impeccable. Ensuite, la plaque du dessus. Donc là, c'était pour deux véhicules. Hein, c'est pour ça qu'il y a les voitures. Donc lui me l'a mis pour du juin 24 parce que c'est vraiment tout petit à la base. Et il m'a enlevé la deuxième voiture qui était juste ici. Donc comme ça correspond bien juste à mon véhicule qui est en cours de montage. Donc la DTM qui est presque terminée. Ensuite, donc là, nous avons l'autre partie qui va sur le derrière, donc qui va être juste ici au niveau de la présentation. Et ici, la deuxième plaque qui va aller sur le derrière et qui là correspond au véhicule, donc avec le D2 private. Toujours pour le DTM. Donc là, il faudra que je peigne tout ça. Bien sûr, je vous ferai voir tout ça en vidéo. Donc là, je vais avoir pas mal de travail au niveau de la peinture, surtout au niveau des D2, parce qu'il va falloir que je mette du matte colle dans tous les D2. Donc là, je vous expliquerai comment je vais procéder pour peindre ce socle. C'est un socle que vous trouvez en petite échelle pour ceux qui ont une PLA. Hein. En résine, c'est pas possible de l'imprimer sur une imprimante résine, vu la grandeur des pièces. Donc voilà, je peux même essayer de vous le montrer comme ça. Hop. Donc là, mettons que ça va être posé comme ceci. Hop. Hop. Et lui qui va aller dessus tout simplement. Hein. Donc là-dessus, je vous expliquerai pareil en vidéo ce que je vais rajouter au niveau des figurines, tout ça pour la réalisation du montage. Il y a la petite Chippy qui vient nous faire un coucou, la petite curieuse. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Donc sur la suite du montage de la DTM. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.